Bon ben, la voilà. Cette boîte immense qui contient en fait cette figurine qui fait peut-être 30 cm de haut, je pense environ. Vraiment très belle, vraiment magnifique. Les peintures sont vraiment de qualité. Surtout le poids en fait qui fait plaisir. Il y a aussi au toucher. Au toucher, elle est pas en plastique et ça change tout. Ça ressemble à. Tu sens que si ça tombe, ça se casse. Mais c'est du polystone, voilà, pour rappel. C'est pas de la résine non plus. Peut-être qu'un jour j'aurai une figurine en résine. Mais pour le moment, c'est pas prévu du tout. Mais genre, pas du tout, du tout, du tout, du tout. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça à la maison parce que. Bah, tu sais, en fait, c'est vraiment grâce à vous, à votre soutien sur la chaîne YouTube. C'est le genre de truc que j'aurais jamais pu me permettre d'acheter, tu vois, une figurine à 500 euros. Ça n'a aucun sens, mais là, ça. C'est comme un trophée, tu vois, c'est comme un trophée pour. Ça fait au moins 5 ans, 6 ans que j'ai lancé otakugame.fr et. C'est un moment spécial, je vous avoue que c'est. C'est particulier de pouvoir se permettre d'acheter une telle figurine. Et je suis pas spécialement riche, mais cette année, tout le budget voyage Otaku Game, il est resté là. Il y a bien la PS5, il y a la série S qui est sortie. Enfin, j'ai acheté une S et pas une X parce que, bon, je voulais avoir une console Microsoft à la maison, mais je voulais pas forcément mettre 500 boules dans une console. Et à la place, ben voilà. Cette figurine, elle est juste magnifique. Et même dans les détails, hein, il y a tous les détails du jeu modélisés. C'est top. Juste les pieds, je me rappelle pas qu'ils étaient roses. C'est peut-être mes. Bah si, je sais qu'ils étaient roses, mais après, je joue rarement avec le skin de base. Donc là, ce serait le rose qui. Ce serait du pourpre qui viendrait dans les éléments mécaniques. Après, je pense qu'ils connaissent très bien leur boulot, hein, les devs de. L'équipe design de Overwatch. Mais voilà quoi. Est-ce que ça s'ouvre pas ça? Non, on peut pas l'ouvrir. Il n'y a pas de pièce mobile dedans. Il y a aussi les manettes. On va essayer de faire les détails des manettes. Ça va être compliqué peut-être. J'essaye hein. Les manettes sont un peu moins bien peintes, on peut le voir, c'est vraiment du détail, mais wow. Et surtout la petite diva, voilà, bah c'est sûr ça parlera pas à tout le monde, mais moi en tout cas je suis vraiment super heureux d'avoir enfin diva à la maison quoi. J'avais déjà Widowmaker, j'avais déjà Mercy, j'ai Mercy et Widowmaker. Je vais m'arrêter là pour ma collection. Et celle-là, c'était celle que je voulais le plus. Tu vois, je me disais, c'est trop cher. Je l'avais même vu en salon. Bizarre, les mettait à 400 euros à la Gamescom. Je réfléchis, je disais, mais comment je vais ramener ça? Vous avez vu la taille de la boîte là? Comment je ramène une boîte comme ça à la maison? C'est impossible, tu vois. Dans l'avion et tout. En plus, j'ai pas eu, c'est 17 kilos. 17 kilos, putain. Et je dois être le seul en Martinique à avoir cette figurine-là. Je vois pas qui d'autre sera assez fou pour une figurine comme ça. En tout cas, je vous fais plein de bisous les beaux gosses. Je vous fais cœur sur vous. Vraiment, merci pour votre soutien. Les belles gosses aussi, hein, les beaux gosses et les belles gosses. J'aime bien les BG, tu vois, ça va plus vite. On est tous des BG sur cette chaîne. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci pour votre soutien et à bientôt sur otakumen.fr. Allez, ciao, bye bye.